Ouais. Observer l'astre le plus lumineux de la nuit, c'est toujours fascinant. Mais en ce moment, un événement plus rare anime la curiosité des astrophysiciens. Je crois qu'il y a une comète qui passe pendant 4 jours. Franchement, ça va être la première que je vois et j'ai hâte. T'as pas peur que ça soit difficile à regarder ? Non. Alors dans les faits, voir la bien nommée comète C2022E3ZTF, ce sera un peu plus délicat, même avec des appareils perfectionnés. Ça va faire une petite boule floue avec un peu un point au milieu. Donc le point au milieu, c'est le noyau cométaire et la boule floue qu'on voit autour, eh ben, c'est la queue de la comète. Mais la queue toute fine, on la voit bien sur les photos, là à mon avis on la verra pas. En effet, cette comète, remarquable de par sa couleur verte et aussi parce que c'est la première fois depuis environ 50 000 ans qu'elle passe près de la Terre, ne sera, à travers un télescope et à l'œil nu, pas très nette. Mais tout de même, c'est un bout d'histoire qui traverse notre ciel, car elle n'est aussi visible que depuis l'hémisphère nord. Alors si on voit des couleurs, j'ai envie de vous dire que c'est des photos qui vont avoir nécessité plusieurs minutes de pause, des appareils assez puissants. À l'œil nu, ça restera une petite zone floue et on ne percevra pas les couleurs parce que notre œil ne peut pas percevoir les couleurs dans la nuit. Ne soyez pas déçus, le ciel regorge de belles choses à observer. Et pour la comète ZTF, son intensité diminuera progressivement encore pendant une dizaine de jours avant de donner son prochain rendez-vous dans environ 50 000 ans.